Monsieur Schaffhauser, et le suivant. Si, chers collègues, voilà le retour de la réalité de la géopolitique. Nous constatons tout simplement que la politique ottomane n'est pas une politique européenne. Seuls, à mon avis, des naïfs et des idéologues ont pu ignorer ce que l'histoire nous décrit. Mais je voudrais vous parler également de la violation du territoire souverain de la Syrie par la Turquie. C'est également manifestement contre le droit international. Toutefois, l'Union est-elle légitime pour condamner cette violation? N'avons-nous pas prêté soutien aux Américains et aux États du Golfe pour démembrer la Syrie? N'avons-nous pas laissé la Turquie armer l'État islamique, laisser faire le trafic des réfugiés et du pétrole? Et est-ce que nous ne sommes pas soumis dans les actes à la Turquie? N'avons-nous pas diabolisé l'intervention russe, pourtant décisive contre les djihadistes? Donc, dans quel nom et à quel nom faisons-nous la leçon? Trop souvent, nous chérissons les causes en dénonçant les effets, alors que ces causes sont la responsable de ces effets. Ainsi en est-il aussi de l'élimination des chrétiens par un manque de réalisme. Je vous remercie.